Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo concernant un colis que j'ai reçu du magasin internet liophilize.fr. Donc, c'est pas eux qui m'ont contacté hein, pour la présentation de produits, c'est bien moi en tant que client qui me suis permis de les contacter en leur parlant de ma chaîne. Et de ma chaîne Breaking Normality hein, qui concerne la rupture de la normalité. Et je les ai contactés pour savoir si c'était possible qu'ils m'envoient un produit à présenter qui correspondrait un peu avec ma chaîne. Liophilize.fr m'a envoyé un colis. Alors, pour eux, c'est un test hein, parce que c'est un produit qui est tout nouveau pardon, qui vient d'être mis en vente hein, sur leur site. Donc ils m'ont demandé si je voulais bien essayer. C'est le beef jerky. Donc voilà le kit 12 heures. Je vous montre le packaging. 1000 kilocalories, date de validité à consommer de préférence, hein, c'est-à-dire que ça peut, vous pouvez l'utiliser après, hein, tant que c'est sous bien conditionné jusqu'en 2020. Derrière, c'est marqué en plusieurs langues. Voilà, ce pack contient les aliments nécessaires pour une demi-journée. Ceux-ci couvriront les besoins nutritionnels d'activité physique intense. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Hein. J'ai eu un vite fait. J'ai regardé vite fait sur Internet. Qu'est-ce qui marque devant? Bon, déjà, j'aime bien la gueule du packaging. Alors. Je pense que le sac, il est un peu plus long et un peu plus d'espace, c'est pour pouvoir bien répartir les produits pour gagner de la place pour mettre dans son sac ou dans son kit DV. La chose que j'ai fait, j'ai pesé le sac. Hein, ce sac-là, je l'ai pesé et il fait 599 grammes. Après, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh ben, je vais le découvrir avec vous. C'est une ration pour une personne et c'est pour une demi-journée. Hein. Une personne, une lune là, une demi-journée. Ce symbole-là, je ne sais pas, c'est pour manger, je pense, où il y a les fourchettes et les cuillères. J'ai pesé, le seul truc que j'ai fait, j'ai pesé et j'ai pris une fourchette. Voilà. Donc je vais l'ouvrir avec vous. J'ai même pas vu s'il y avait un prédécoupage. Bon là, en même temps, je vais commenter est-ce que j'en pense réellement. Hein. Y a pas de, pour moi, il n'y a pas de prédécoupage avec un système Ziploc. C'est un peu dommage. Et après, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Peut-être à revoir ça. Il y a des cadeaux. Non, c'est pas vrai. Alors. Dedans, il y a l'inventaire. Hein. Là, ça pose les billes. Parce que je ne m'attendais pas à ça. Alors, donc, c'est parti. Je vais tout sortir devant vous. Alors, là, sac Ziploc. Dedans, il y a. Il y a ce qui est marqué dans l'inventaire. Hein. Deux barres de chocolat noir. Tac. Il y en a deux. Il faut voir les produits aussi. Hein. Chewing-gum. Pâte de fruits. Putain, mais je vais me régaler, moi. Boisson isotonique au citron, hein, ça c'est l'histoire de requinquer un peu la machine. Et ça, il y en a deux. Et
des pastilles de purification d'eau Aquatab. Alors, il y en a quatre, qui veut dire qu'on peut purifier, rendre potable l'eau pour 4 litres. Pour une demi-journée, c'est largement suffisant, hein. Alors, parce que après, je vais quand même goûter, hein. Tac, je range ça dans le sac. Déjà, ce petit sac, il me plaît bien. Les couverts, couteau, fourchette, cuillère. Ça c'est carré. Un paquet de mouchoirs, hein, qui peut, bah, vous essuyer, vous permettre d'aller faire vos besoins. Et peut-être aussi vous permettre de faire une compresse d'urgence, hein, si vous êtes ouvert et que vous n'avez rien, vous n'avez pas de compresse israélienne ou de machin, ou de compresse hémostatique, sortez le paquet de mouchoirs comme il est, vous le posez, vous bandez, hein, ça peut peut-être vous sauver la vie, hein, ce mouchoir, hein, ce paquet de mouchoirs. Biscuits salés. Voilà, conditionné, hein, tout est conditionné en individuel, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien comme ration. Alors, ça c'est le plat cuisiné. Alors il est dans un genre de sac, de sachet en Mylar. Et au fait, c'est... Le plat, il est tout fait, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter d'eau là, hein. Vous faites chauffer avec le système que je vais vous montrer, vous ouvrez, vous dégustez, hein. Donc, c'est un sachet stérilisé. Et là, j'avais dit quoi? J'avais dit que c'était des pâtes à la bolognaise. En plus, je n'ai pas encore mangé. Pâtes à la bolognaise. Alors, si c'est la même pâte à bolognaise que j'avais commandée, je vais me péter la ruche, hein, les gars. Hein. Voilà, alors le sachet, ce qui marque le poids de ça, là. 300 grammes. 12 heures. Un repas, 300 grammes. Et ça, c'est le système de chauffe. Alors, le principe, hein, c'est tout marqué, là, hein, vous voyez. C'est un sachet avec un sac, pardon, avec un sachet chimique. À réaction chimique, vous mettez de l'eau directement dans la poche, hein, avec le réchauffeur chimique. Vous ouvrez, vous mettez votre ration dedans, vous fermez et vous attendez. Moi, à l'époque, c'était 12 minutes. Ça chauffe tout seul. Pas de flamme, pas de fumée, que dalle. J'avais découvert ce système de chauffe avec les mêmes produits que ça. Et franchement, c'est génial, hein. C'est génial. Donc, je coupe la vidéo. Le temps de préparer une assiette pour la chauffe, pour vous montrer machin. Et je vous reprends après.